Bonjour à tous, nous sommes en direct de la cité Bouvet à Saint-Denis. Vous le savez, il y a la visite en ce moment de Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer. Et donc là, il vient d'arriver dans la cité Bouvet. Il procède à la visite. Alors pourquoi la cité Bouvet? Parce qu'il y a un programme de réhabilitation dans cette cité. Je m'avance un peu pour que vous puissiez regarder ce qui se passe. Donc là, il échange. La réhabilitation du quartier présentée au ministre des Outre-mer. Je vais essayer de faire le tour. On a là des aires de sport et on a le cœur vert familial qui est là. Voilà, on a le cœur vert familial ici. Les gens qui vivent là, vieillissants, puisqu'on est sur du sport pour tous, c'est du bien vieillir. L'idée, c'est qu'on arrive à faire des cheminements, qu'on réaménage le tout. C'est là le rôle de la ville. Pour que toutes ces personnes qui sortent de chez elles puissent avoir des mobilités douces pour pouvoir être sur le cœur vert familial, ces 40 hectares, aménagés pour une vie et du lien social, du marché de proximité ici, de quartier, et du sport autour et de la culture. Donc tout cet aménagement-là, c'est pour les jeunes, mais c'est aussi pour les populations vieillissantes. Parce qu'on pense que dans les quartiers, on peut bien vieillir. Parce qu'on pense aussi que l'aménagement, je dirais tout à l'heure, c'est l'enjeu aussi de l'économie de proximité. Dans les bas d'immeubles, mettre à nouveau des artisans, à nouveau des commerçants, faire des boutiques éphémères. Il y a plein de jeunes qui ont envie d'innover dans la sphère économique. Donc, on n'habite pas. On vit. Il n'y a pas d'échelle économique. L'écart à la mer, Et quand tu passes là sur le cœur vert, en fait, tu peux, cet aménagement qu'on a fait, tu passes sur le cœur vert, tout ça c'est piéton, tout ça c'est piéton à l'heure actuelle. Tout ça c'est piéton, tout ça c'est piéton, tout ça c'est piéton, ça va jusqu'au barrage. Et tout le long, tu as la piscine, le foot, le hand, des gymnases, la piscine publique, tu reviens ici, la balade, le sport. Tu as la cité des arts qui est dans le coin aussi. Donc tu as la médiathèque François Mitterrand qui est là, donc la lecture, tu as un théâtre départemental, le théâtre départemental. Donc si tu vas jusqu'au bar à choix, une famille qui descend du brûlé tout en haut, elle vient sur Saint-Denis. Demain, du bois de neige avec le téléphérique. Elle descend toute la famille. Ils arrivent, ils prennent après le tram Tao du Chaudron, qui fait la jonction. Ils viennent avec un tram Tao jusqu'au cœur vert familial. Ils sortent, les marmites, le pique-nique. Ils passent la journée. Et là, ils pique-niquent. Ils peuvent aller à la médiathèque, c'est ouvert le dimanche. Ils vont à la piscine. S'ils veulent aller plus loin, ils se baladent, ils vont au théâtre. Voilà, donc c'est la présentation en ce moment de ce programme de réhabilitation. Ici, cité Bouvet à Saint-Denis, vous voyez énormément de monde, tout le monde est masqué, beaucoup de journalistes. Voilà,
prévenir ça.